Hey, bonjour, c'est Macha et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de notre challenge, 7 bébés challenge sur les Sims 4. Et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle cuisine. Enfin, nouvelle, non. Mais vous pouvez le voir que maintenant nous avons un plancher, que nous avons quelques peintures décoratives. Oui, c'est des peintures d'enfants, mais on s'en fiche. Et que nous avons des demi-murs, que nous avons, comment dire, un petit carrelage. Voilà, donc les enfants, eux, sont tous en train de jouer et je vous propose qu'on commence immédiatement. Donc maman est en train de peindre et maman a un nouveau lit pour qu'elle puisse dormir de manière beaucoup plus efficace et du coup, qu'elle pourra... Et du coup, elle pourra peindre beaucoup plus. Voilà. Donc, elle est amie maintenant avec... comment s'appelle? Avec madame, mademoiselle. Donc, je vous propose que on s'en aille et qu'on invite quelqu'un d'autre. C'est bien mademoiselle ou c'est monsieur? Attendez, j'ai pas... Ah non, c'est un monsieur, j'ai pas entendu sa voix. Je suis bête. Voilà. Du coup, je vous propose que maintenant, elle invite Julia. Et qu'on aille devant... Ah bah non, 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 c'est bon en fait, il y a une madame. Il y a une madame invitée à entrer, tout ça. Donc pendant ce temps, les enfants, eux, sont en train de faire ceci, je vous le rappelle, pour essayer de monter leur empathie, de manière, en fait, tout simplement, à... enfin, les sportifs, il leur reste pas beaucoup à faire. Et on s'occupait d'Isabelle en attendant pour s'occuper derrière de nos sportifs. Voilà. Maman, elle peint et j'espère qu'elle va nous faire beaucoup de sous. On se rappelle que Justine a fini son... a fini, que Lucas a fini et que Marina a fini son aspiration. Et comme c'est le week-end, on a intérêt à se dépêcher de finir la suite, tout simplement. On va mettre une station électrique. Je sais pas du tout comment va donner le son vis-à-vis de notre... Va donner le son. C'est qui? Pourquoi elle écrit des trucs? C'est bizarre. Est-ce que tu peux danser ma puce? Hop. Et voilà. Parce que Isabelle est fatiguée. Donc je vous propose quand même qu'on ait envie de s'amuser. Je vous propose du coup de parler avec cette. De m'inviter à danser. Ça fera toujours monter un peu plus. Je suis désolée. Je mets toujours sur pause. Mais c'est un réflexe de. Pas de survie, hein. Mais c'est un réflexe. Parce que elle part tout le temps faire autre chose à côté et parce que je voudrais vraiment réussir à en un minimum de temps à faire nos aspirations. Et elle a déjà pas mal monté, regardez. Et est-ce qu'elle a... Oui, pardon, j'ai oublié de vous préciser. Actuellement, on est le 13 décembre, donc ça fait un mois que la mise à jour est sortie. Puisque là, voilà. Sauf que là, en fait, moi je tourne cette vidéo le 11 novembre. Je suis désolée, je prends toujours de l'avance, hein, encore et toujours, parce que je vais avoir pas mal de partiels, j'ai vu en décembre, de TP, de trucs à faire, donc du coup j'anticipe un petit peu. Et oui, et du coup je ne sais plus ce que j'allais dire, oui, et du coup la mise à jour est toute nouvelle pour moi, mais j'espère, je vous le promets pas, hein, puisque de toute façon vous l'aurez déjà vu, j'espère que j'aurai déjà sorti une vidéo. Ok, Isabelle a fini son aspiration, donc on va s'occuper de Jonathan. Jonathan pipi ici. Comment il s'appelle? Julien, idem, pipi. Allez, go. Oui, parce que du coup, Jonathan, Julien et Sarah. Sarah, oui, c'est ça. Ils vont bouger. Voilà, ils vont tout de suite partir. Va vite faire pipi, toi. Va utiliser, hop. Du coup, il faut absolument qu'il soit en bonne forme juste avant de partir, évidemment, pour pouvoir, en fait, s'occuper de leur aspiration. Voilà. Donc ensuite, toi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as faim? Bah écoute, tu vas commencer à aller prendre des restes. Comment ça va? Responsabilité, empathie, pas grand-chose, hein. Ça monte très doucement. Allez, va manger. Toi, tu fais pipi. J'ai vu que Marina, c'est ça, oui, Marina avait une forte besoin de faire pipi. Donc elle va aller faire pipi et ensuite elle ira manger quelque chose aussi. Continue à chercher. Quoi? Tu as une action, mon petit. Tu dois aller manger. Ah, la poupée malade. Oh, c'est trop mignon. Toi, tu vas reprendre immédiatement. T'as pas fini, maman. C'est toujours autant galère, hein, de s'occuper d'autant de Sims. Au fil des temps, je me dis, oh, ça va être plus facile à force. Je me dis que quand ils seront ados, ce sera plus facile, mais en fait, j'y crois pas trop. Et ils grandissent d'ailleurs dans 6 jours, donc on a quand même encore du temps pour monter l'empathie et la responsabilité. D'ailleurs, il est pas très responsable.
Justine, je sais pas ce que tu as, mais je t'ai dit de prendre des restes. Oh là là, c'est pas vrai. C'est à cause de Marina, c'est ça? Bon, c'est pas grave. Vas-y, va manger. Hop là. Bon, les enfants, ils s'occupent un peu de eux. Toi, t'as mangé? Oui, il a. Enfin, non, mais il va bien. Toi, t'as mangé? T'as fini de manger? Ouais, à peu près. Et toi aussi. Bon, allez. Je comprends pas pourquoi elle est fatiguée. Je tiens à préciser quand même qu'au dernier épisode, à ce que je sache, ils avaient dormi jusqu'à super tard. Sauf peut-être Sarah, c'est vrai. Je crois que c'était elle que j'avais réveillée. Mais il faut absolument qu'ils montent, qu'ils réussissent à avoir le meilleur score à Big Block, là, machin, je ne sais quoi. Sinon, on n'arrivera pas à finir leur machin. Et quand ils auront fini leur machin, on pourra s'occuper de leur faire avoir des meilleurs caractères, des caractères positifs. Donc, allez, on peut le faire, on peut le faire. Oui, il faut savoir aussi que je vais essayer de faire les vidéos avant que sorte le prochain add-on, donc qui est déjà sorti, je tiens à préciser, puisqu'il sort dans. Bah, il est sorti il y a un mois, 13-11, et que là on est le 11-11. Bref, pour vous faire un troisième let's play peut-être dessus, au moins pendant décembre. Voilà, donc j'anticipe un petit peu mes vidéos. Je suis désolée hein, si ça fait un petit peu celle qui prépare tout et du coup qu'il n'y a pas de dialogue avec sa communauté. Je suis vraiment, vraiment désolée, c'est pas mon but. En fait, c'est peut-être parce que je me suis trompée, hein. Attendez, meilleur score à jeu de frappe. C'est ça le jeu de frappe? C'est comment? C'est le jeu joué à quoi? Je sais même plus ce que c'est ce jeu, ça m'énerve. C'est bien celui-là auquel il faut qu'ils jouent tous. Non, 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 mon petit, mon petit, mon petit. Toi, tu vas aller jouer ici. Allez, hop. Allez, les enfants, j'adore cette bibliothèque. Je suis trop fière en fait. Je suis trop contente. Je me sens super bien ici. C'est vrai que je voulais faire un let's play sur Strangerville que j'ai toujours pas fait hein, parce que j'ai lancé ce challenge à la place. Bon, allez. Est-ce que c'est bien ce jeu auquel il faut qu'il joue? Je sais pas du tout. Du coup, je spring. Pardon, excusez-moi, je viens de boire mon café et voilà. Excusez-moi. Oui, c'est bien ça. Donc, Marie, hop, Sarah, tu rentres. Je suis trop contente, ça avance bien. Vous trouvez pas que ça avance bien? Ok, alors, hop, toi c'est bon et toi c'est bon. Ok, c'est parfait. Allez, on rentre à la maison et on. Non, mais toi tu rentres. Non, mais attends. Pardon, excusez-moi. Allez. Voilà. Allez, on rentre. Ce que j'ai pas pensé, mais oui, c'est plus efficace, hop, de faire. Rentrer à la maison de cette manière. Voilà. Jeune femme en déplacement. Non, c'est vrai que je l'ai pas renommé, mais c'est le 7 bébés challenge qu'il faudrait que je renomme. Je le mettrai dans la galerie, je pense, quand ils seront adultes. Ou je sais pas encore. Bref, j'ai oublié de regarder les règles aussi pour l'adolescence, mais je sais que pour l'enfance, on a fini. Parce que ils sont. Ils ont. Alors, il faut qu'ils aient tous A de moyenne. Ils ont A de moyenne. Voilà, donc maintenant on va peut-être pouvoir s'occuper un peu plus de elle et de surtout faire 4 heures avec l'enfant. Donc on va s'occuper de ça immédiatement avec activité compétence. Non, c'est enfant, je pense. Enfant, activité compétence, voilà, Zach. Et j'en avais un qui était pas très responsable, voire pas du tout. C'était toi, je crois. Enfin, pas du tout. T'es pas très responsable encore, donc tu vas commencer à faire ton devoir. Et toi, tu as fini ta toile? Parfait, maman a fini sa toile. Hop, et du coup, ensuite, allez, vas-y. Voilà, et tu vas aller l'aider pour le projet. Ensuite, Isabelle, tu es pas encore tout à fait responsable, mais par contre, les manières, c'est presque à fond. Donc, tout de suite, tu vas nettoyer, 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 et tu vas surtout mettre la table, sophistiquer, bordure. Voilà. Ensuite, toi, tu en es où? Tu as manières, c'est pas mal, contrôle des émotions. Donc, moi, je te propose que tu te détendes en écoutant de la musique. Donc toi, tu fais ça, c'est parfait. Et oui, du coup, il faut tout s'occuper. Ah, empathie, toi, t'es presque à fond. Du coup, je te propose, hop, que tu ailles tout de suite jouer au docteur plein de fois. Enfin, presque à fond. Il a presque le truc empathie, donc ça sera facile de le garder, en fait, après.
Et toi, bah, pourquoi pas faire pareil, hein. Écoutez, les enfants, on va monter votre empathie. Le but, c'est qu'on en ait trois, hein, je vous rappelle. Sarah, elle allait se coucher, je pense que c'est une bonne idée. Toi, tu es très responsable, par contre, tu n'as aucune empathie, ma petite. Donc, tu vas tout de suite aller jouer avec au docteur, histoire de monter ton empathie. Voilà, c'est des moyens de monter les choses. Toi, tu vas dormir, parce qu'il est déjà 23h, donc c'est pas grave. Et vous deux, vous allez monter gentiment. Non, non, Marina, tu montes ton empathie, ton contrôle des émotions parce qu'il est déjà pas mal. Qui était censé, c'est toi hein, qui est censé tout faire pour les manières, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Est-ce que là, ça lui monte bien son contrôle des émotions? Elle est responsable, parfait. Ça leur monte leur mental, ça c'est cool aussi, leur faculté mentale. Je surveille du coup pour l'instant Marina, mais elle aussi, il va falloir la surveiller un moment. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle a ça? Oui, du coup, je vous rappelle hein, que je découvre... Bon, elle doit avoir un truc, une émotion positive avec elle. Je découvre les émotions, hein, je vous le rappelle. Donc, c'est assez nouveau encore. Hop, et voilà, Marina, encore arrêtée. Se détendre. Voilà. C'est bientôt l'anniversaire de la maman? Déjà? Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est peut-être normal, hein. À un moment, faut bien qu'elle vieillisse aussi, hein. Donc, notre petite, elle met la table. Ce qui montre, c'est ses manières. Et ses manières en sont à... Oh, elles sont presque positives. Sentiment obtenu. Il est tellement drôle, j'adore passer du temps. Ah, c'est trop bien! Oui, pardon, excusez-moi, je découvre les émotions et je trouve ça trop mignon. Regardez, oh, proche grâce à des souvenirs heureux. Oh, c'est trop bien, j'adore. Pardon, je trouve ça trop mignon. Toi, par contre, tu vas rentrer à ton domicile, s'il te plaît. Et toi, tu remettras un peu la table avec des triangles, comme ça va être rigolo, on n'aura pas la même table. Non! Pardon. Allez, tu écoutes la musique, je veux que ça monte. Ok, c'est bon, j'en ai marre. Va te coucher, Marina. De toute façon, il est tard. Ce serait peut-être bien temps de les mettre au lit aussi, nos petits. Hein. Toi, tu vas aller dormir aussi, du coup. Après, tu pourrais mettre la table. Toi, tu fais ça avec maman. Toi, tu vas peut-être aller dormir après. T'en es où? Empathie, c'est presque bon. Donc, écoutez, tant mieux. Toi, t'en es où de l'empathie? C'est beaucoup mieux. C'est le contrôle de mes émotions qui est pas bon. Hein. Voilà. Et tu iras te coucher. Ta chambre est en haut. Je crois que c'est celle-là. Comment on sait? Je sais pas du tout. Demander à être couché. Oui, c'est ça. Et sinon, non, bah, je sais pas. Justine, tu vas aller dormir aussi quand t'auras fini tout ça. Et l'empathie est meilleure chez toi. Oui, c'est vrai qu'elle, elle est malveillante. C'est peut-être pour ça aussi. Voilà, toi, t'es contente. Alors maintenant, tu dois être en mode super hyper parent niveau et avoir... Ok. Donc, ma petite maman qui est fatiguée, tu vas quand même aller utiliser, te doucher... Tu iras prendre des restes et tu iras dormir. Quant à toi, Jonathan, tu commences à avoir froid, mais écoute, on s'en fiche, tu vas aller te coucher, ça ira beaucoup mieux quand tu auras bien chaud. Quand tu seras bien au chaud dans ton lit. Voilà. Vous êtes en train tranquillement de finir de jouer avec vos poupées et ça ira mieux. Mais vous commencez à être fatigué, ce qui est normal. Donc, ok, tout va bien. Et maman, il faudra que... Quand elle se... Bon, on va abandonner cette toile aussi, puisque mademoiselle, notre squatteuse, a fait ça. Demain, on va s'occuper de la résolution de conflits avec un enfant, je ne sais pas encore lequel, mais pour essayer d'avoir quand même pas tout à fait les mêmes caractères pour chaque enfant. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Oh, je les aime bien les triangles, faudrait que je mette plus souvent les triangles, tiens donc. hop. C'est toi hein, qui met les tables. J'aime bien, c'est toi qui mets les tables, c'est toi, tu es de corvée table. Bref, on s'en fiche. Allez, maman. Oui, allez, tu fais ça et tu vas dormir. Et demain, tu feras le repas. Un petit déjeuner pour toute la famille. Normalement, ce sera elle la première réveillée, c'est pas sûr. Hein. Mais normalement, c'est elle la première réveillée. Hop là, on accélère le temps et elle fera des pancakes au petit déjeuner. C'est l'été, ouais, en plein mois de décembre, on est en été, c'est trop bien. Pardon, excusez-moi. J'ai fait un programme hein, de vidéos. C'est pour ça que je sais que c'est le 13 décembre qu'elle sort. Si elle sort pas le 13 décembre, vous me le direz dans les commentaires. Vous direz « Ah, tu t'es trompée !» Voilà. Excusez-moi, j'ai un délire. Ah, c'est trop bien.
voir le profil. C'est ça qui permet de indépendant, bon moment de qui rapproche. C'est trop chou. Mais du coup, c'était toi hein, qui avais un souvenir avec quelqu'un. Non? Ouvrir le profil, voilà. Oh, c'est trop bien et on peut savoir en fait. Oh, c'est très bien fait. Ok, je suis très contente là. J'aime bien cette mise à jour. Voilà. Je sais qu'on peut faire aussi des petits. D'autres trucs, mais. Enfin, là, j'ai pas le temps de tout tester. Bon, prochain objectif, les amis, c'est. J'allais dire, c'est les fenêtres, mais en fait, on en a déjà. Je sais pas encore. Non, non. Toi, tu vas aller utiliser. Prendre une douche. Je déteste qu'il y a beaucoup d'enfants levés en même temps. Toi, tu vas aller. Utiliser au lieu de boire de l'eau. Alors, écoutez, je panique. Ça y est, je suis en mode panique. Les enfants, ils ont faim et maman, elle n'est pas levée encore. Et je voudrais qu'elle fasse à dodo à fond. Donc, les enfants, ils vont... pourquoi nettoyer? Je ne sais pas. Tu vas surtout aller jouer à la poupée. On va les refaire jouer aux poupées. Parce qu'après, quitte à... Enfin, essayons de monter l'empathie. Hein, parce qu'après, je sais que je sais pas trop monter l'empathie quand ils sont ados, je vous avoue. Je crois que c'est juste en faisant des... Mais pourquoi t'es pas douché, toi? Attends, stop. Toi, tu vas te doucher. A reçu une amende conformément au plan d'action. Trop d'eau consommée cette semaine. Eh, ça va, hein. Ouf, meneur. J'y peux rien, j'ai une famille nombreuse. J'en ai marre de l'eau. J'ai essayé de faire en sorte qu'on ait moins de problèmes d'eau avec ça. Mais je sais pas si c'est très très efficace. Voilà. Ah, maman fait le repas, parfait. Toi, bah tant que t'as pris le repas, bah finis ton repas maintenant. Hein. Ensuite, t'auras qu'à aller prendre une douche. Ensuite, t'auras qu'à utiliser les toilettes. Et fais voir un petit peu, toi, les manières, c'est une catastrophe. Contrôle des émotions, bof. On est dimanche, hein, donc on a du temps. Tu iras réussir au la main tes devoirs. Qui a cassé les toilettes? Hé, j'ai entendu parler de ta récente... Merci, c'est gentil. Qui a cassé ça? C'est pas possible. Je sais qu'il faudra que je rénove chaque salle de bain une par une. Mais doucement, mais sûrement. Voilà. Allez, maman, fais le repas pour les enfants. Parce que, enfants, il y en a beaucoup qui sont réveillés. Marcher au puce, on s'en fiche. Alors, toi, t'es prête à jouer. Toi, t'es prêt à jouer. Et toi, tu feras tes devoirs. Et puis après, tu iras jouer au docteur. Je ne sais pas qui c'est que je gérerai sur la résolution de conflit. Pour l'instant, si, Marina. Parce que Marina, voilà où elle en est. Elle est très bien. Résolution de conflit, elle en est là. Donc... Dès que maman sera prête, maman, toi, tu iras prendre une douche. Donc, après avoir fouillé le repas, allez, dépêche-toi de finir le repas sans mettre de feu, s'il te plaît. Je croise les doigts. Allez, s'il te plaît, pas d'incendie. J'ai trop peur, je vous jure, j'ai peur. C'est horrible. Toi, t'es triste parce que ta poupée est malade, c'est normal. Et ton empathie monte, mais très doucement, parce que tu es la dernière à avoir commencé, je crois, à monter ton empathie. Toi, ton empathie est déjà presque à moitié positive. Faut s'acharner, je trouve, pour les caractères, mais ça marche bien. Donc, écoutez, on continue de s'acharner, tout simplement. Et voilà. Ensuite, on va gérer Lucas. Lucas, quand tu seras réveillé, tu auras peut-être besoin... T'as besoin de tout, ok. Donc, tu auras besoin de prendre une douche et tu as faim. Donc, maman, allez, maman, dis-moi que t'as fini. T'as pas fini encore? Si, maman vient de finir. Et elle a pas mis l'incendie. Soulagée. Et Lucas, tu iras prendre une part. Voilà. Tout le monde pourra aller à un moment hop, ou à un autre. Je m'en fiche hein, si c'est pas au synchronisé. Toi aussi, est-ce que tu peux? Oui, parfait. Donc tout le monde va aller prendre une part petit à petit. Donc Lucas, c'est fait. Julien, t'as surtout faim, donc parfait. Et ensuite, on aura Justine qui vient de se réveiller, qui a faim, mais ensuite qui aura besoin d'utiliser et de prendre... Non, la douche, on la prendra... Ah si, quand même, allez. Prendre une douche et on ira s'occuper aussi... elle, l'empathie, hein, l'empathie patigeant, c'est pas top, hein. Et on ira jouer... Alors, je sais pas... Qui a l'action pour l'instant de jouer? Toi, tu as l'action de jouer. Et après, vous avez plus d'action. Si, Sarah, tu as l'action de jouer.
Alors, on va te l'enlever juste parce que je ne sais pas qui fait quoi, qui joue avec quoi. Donc, Sarah, tu joueras avec celui-là. Justine, tu joueras avec celui-là. Hop, ensuite on a toi Julien, je crois, qui jouera avec celui-là, ce qui fait qu'il nous reste Lucas. Et Lucas s'occupera de sa résolution de conflit pour l'instant. Voilà, même si j'avais dit que je commencerai par Justine, c'est pas grave. Maman, elle est là, elle va passer du temps du coup avec ses enfants. Donc Lucas, lui, va manger. Allez, va finir vite. Et ça, on pourra gérer sa résolution de conflit et ça pourra peut-être monter... monter la compétence de maman et surtout donc être avoir un enfant avec 3 traits de qualité personnelle positifs. Et ben ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est pas gagné encore, mais ça avance. Voilà, le seul donc qui n'a pas les poupées, c'est Petit qui est triste, parce que Petit est triste parce qu'il a besoin de parler. Donc ça tombe bien. J'ai pas fait exprès, mais ça tombe bien. Donc entrer en mode parent extraordinaire. Alors là, j'espère que ce sera par rapport au. D'ailleurs, est-ce qu'on peut encourager? Vas-y, maman. On va faire ça. Peut-être que ça peut la faire passer. Encourager. Ça peut peut-être les aider, encourager, hop, encourager, hop, est-ce qu'on peut le féliciter d'avoir mis la table, encourager à faire la vaisselle, et ensuite on va, toi tu vas faire ta vaisselle peut-être, comme ça tu seras encouragé aussi. J'adore quand maman elle va féliciter quelqu'un, elle est pas en mode super parent là? Bonheur d'être ensemble. Non, elle est pas encore en mode super parent. C'est pas gagné. Mince. Hop. Donc Lucas, on s'occupe de Lucas, je vous rappelle, hein, aujourd'hui. Féliciter, encourager, tu fais la vaisselle. Voilà. Et en plus niveau 9, parfait. Et du coup, on va dire apprendre à faire, à dire pardon. Voilà. Et ça, on va le faire plein de fois, du coup. Apprendre à dire s'il te plaît. Et on peut pas dire deux fois de dire apprendre à dire pardon. Zut. Mais voilà, c'est un peu comme ça qu'on va monter le truc. Toi, tu as fini avec tes poupées. Donc tu vas aller rejouer au docteur juste après avoir mangé. Les enfants, c'est mode je mange, je joue. Je mange, je joue. Toi, tu iras jouer ici, Marina. Il faut que je m'occupe aussi de faire pour maman. Et maman et Lucas. Donc il faut que je surveille. Voilà. Je surveille et j'aimerais vraiment réussir à lui monter sa compétence. Enfin ça. Et c'est long. Avant je le faisais faire avec mes bambins en fait. Je vous avoue. Qu'est-ce que c'est ça? C'est moment en famille. Oh c'est trop mignon. Allez. Éducation. Apprendre à dire pardon. Et je voudrais vraiment le faire plein de fois. J'espère que voilà il est content. Encourager, apprendre à dire pardon. Apprendre à dire pardon. Comment on passe en mode super parent? Je me suis toujours posé. Enfin, j'y arrivais avant, mais. Avec le niveau 10 de la compétence. D'accord, donc on n'est pas du tout encore prêt à. Mais on monte sa compétence, donc c'est ce qu'il faut faire aussi. Donc c'est parfait. Toi, du coup, l'empathie, on est où ma puce? Et elle a bien monté hein, quand même, parce que Marina, je vous rappelle qu'elle était dans le rouge ce matin. Faut qu'elle aille se doucher, Marina. Donc après, hop, elle ira prendre une douche. Ok. Toi, t'en es où de l'empathie? Parfait. Donc elle, c'est pas mal. Toi, t'en es où de l'empathie? Ok, pas encore au max. Toi, donc t'apprends la résolution de conflit. Donc c'est un peu long, mais ça ira. Toi, l'empathie, c'est pas. Non, c'est Justine dont l'empathie est rouge. Ah, j'en ai une qui a bugué. Je viens de le voir. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a rien à faire. Eh ben, tu vas continuer à jouer, ma petite Sarah. On en était à Justine, hein, je crois, un niveau... Non, pas à Justine, à Julien. Je vais voir où il en est, lui. Ok. Ensuite, Sarah, elle monte doucement mais sûrement. Et Justine, elle est donc très basse. Ouais, mais elle est passée dans le vert. Donc ça, c'est parfait. On devrait quand même réussir à leur faire monter leurs compétences. Je sais que c'est compliqué, mais et que c'est un peu répétitif aussi. Mais c'est comme ça. Il faut que... il faut. Voilà. il faut monter les choses. Il faut que la résolution de conflit... Donc quand lui sera vert, on ira tous faire peut-être un... On ira monter autre chose. Enfin, monter quelqu'un d'autre. D'accord?
Donc, tout se passe bien. Il n'y a que Marina qui sent vraiment crado. Je te propose, Marina, que tu arrêtes 2 minutes. Le temps, voilà. Le temps d'aller gentiment te doucher, puis on continuera. Donc, c'est toujours autant répétitif hein, chez moi. Hein. Je suis désolée, c'est comme ça. Mais c'est la meilleure manière, je vous avoue, que j'ai trouvée pour réussir mon challenge. Non. Non, 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 non. Toi, tu vas aller. Hop, 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 hop. Je veux absolument qu'elle monte son empathie. D'ailleurs, en parlant de monter des trucs, je voudrais que tu mettes la table sophistiquée du coup et des triangles parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus joli. Il faut que je les relance de temps en temps, hein, c'est normal. Hop, et toi, tu vas aller jouer au docteur. J'irai regarder. Pour l'instant, on n'est pas ado, donc tout va bien. Paranoïaque. Ah oui, c'est vrai qu'elle est paranoïaque. Hop, on va ranger ça. Toi, t'en es où? Oh, ça a monté super vite, je suis trop contente. Maman, tu vas juste aller faire un petit bisou parce que t'as envie de faire pipi. Comment il va, lui? Il va très bien. Donc, toi, tu vas attendre hein, gentiment. T'as qu'à, en attendant, écouter de la musique pour te détendre. Voilà. Juste histoire de l'occuper. Non. Tu es responsable, donc tu arrêtes de vouloir faire des bêtises. Contrôle des émotions, il est dans le rouge, donc c'est pas ça qu'on va monter, mais regardez la résolution de conflit comme elle a augmenté de ouf. Donc je suis trop contente. Tu vas lui encourager à dire pardon. Tu vas l'encourager à... je sais pas si j'ai pas mis deux fois. Discipline en cours. Bon, on s'en fiche en fait. Je vais y arriver, hein. Et tu vas lui apprendre à dire pardon et ainsi de suite, puisqu'il faut absolument qu'on soit positif. Allez, il faut qu'il soit bien élevé. Il est 18h, donc c'est déjà pas mal avancé la journée. Ouh, on y arrive. Je suis très contente d'avoir trouvé ces petites tactiques. Hop, allez, on continue à jouer et je me pose. Je sais que vous avez plus le son, c'est tout à fait normal, ne paniquez pas. Voilà, ça fait déjà un épisode de 26 minutes, donc on va pas tarder à se quitter, je pense. Désolée. Pas encore, vous inquiétez pas. On joue encore un petit peu ensemble, mais voilà quoi. Alors là, je regarde l'heure, il est 11h11, le 11-11 chez moi, du coup, je trouve ça trop rigolo. Voilà, excusez-moi, un petit aparté personnel. Bref, du coup, les enfants continuent à jouer. Marina, tu continues à jouer. J'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas parce que je ne suis pas en plein écran Sims. En fait, j'ai oublié, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais sachez-le. Du coup, toi, tu es en train de monter ton empathie, ce qui est génial. Toi, tu montes l'empathie, tu continues très bien. On irait peut-être faire du bénévolat aussi, à un moment, ce serait bien, mais j'ai la flemme. Voilà. Ensuite, lui, il en est où? Il en est qu'il est presque maximum. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Quand il sera positif, franchement, je serais trop ravie. Voilà, je serais vraiment trop fière. Encourager à dire pardon. Allez, hop, on va l'encourager ensuite. Ça y est, ça c'est cool. Donc je le laisse encore un tout petit peu monter, histoire juste qu'on soit bien. Et lui, il va pouvoir aller monter son empathie. Alors, toi, c'est les manières hein, qu'on augmente. Donc on s'en fiche un petit peu pour l'instant du reste. Hop, j'aimerais bien qu'on s'occupe de quelqu'un d'autre, mais je vous propose que ce soit au prochain épisode. Donc là, je suis très contente parce qu'on est en train de discipliner nos enfants et que ça augmente très bien. Donc c'est sur ce qu'on va cesser. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et même abonnez-vous, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!